Alors voilà, je sélectionne ce bloc et je vais le transformer en bouton avec la palette bouton. Et on sélectionne quoi dans les cartes? Voilà, donc il est transformé en bouton. Je vais lui donner le nom vert page Texas dans mon cas. Voilà, ça c'est le nom du bouton. Et alors, il va falloir lui mettre une action pour aller à la page 2. Et pour le cas où vous vous poseriez la question. Oui. Est-ce que si on insère par la suite une page entre la 1 et la 2, est-ce que ça va toujours fonctionner? Bon, on va tester parce que là, j'ai un petit doute. Sinon, si ça ne fonctionne pas, il y a une autre manière de faire. Donc, vers page Texas. Donc pour répondre à ta question, oui, une fois que tous les boutons sont faits, on peut encore les modifier. Il suffit d'aller dans la palette des calques, aller bien sélectionner, bien déployer les choses. Bien déployer les choses et sélectionner l'objet qui est dans l'état qu'on veut modifier. Oui, parce que sinon, si on ne connaît pas l'astuce, vous allez être chaque fois obligé de reconvertir le bouton en objet. Le modifier, vous pouvez le reconvertir en bouton, remettre les interactions qui auront disparu, c'est ennuyeux. Donc bien sûr, vous allez pouvoir faire ça. Alors, j'en suis avec ce bouton qui s'appelle vers page Texas, et je vais mettre un script d'action, et lequel? Alors, vous n'avez pas atteindre la page 2, atteindre la page untel. Il y a ici atteindre la page, mais ça ne marchera pas dans un PDF interactif. Ça ne marchera pas dans un PDF interactif parce que c'est uniquement pour quand on fait de l'export en Flash ou en EPUB, comme vous le voyez. Atteindre la page n'existe pas dans les fonctions qu'on peut intégrer à un PDF. Oui, atteindre la page précédente et suivante, première et dernière, mais pas atteindre une certaine page. Alors ce que vous avez, c'est accéder à la cible. Ça peut être intéressant. Choisissez ça, accéder à la cible. On voyait que la cible pourrait, si on voulait, être un autre document PDF, mais on va rester dans le même. Et la destination, va falloir l'indiquer ici, sauf qu'il n'y a rien qui apparaît parce qu'on n'a pas encore créé la cible. On va créer la cible qui sera la page 2, en fait. Et on va pouvoir, donc, avec ce bouton ici, indiquer qu'il doit atteindre la cible qui s'appelle page 2.